Reversée en Coupe des Nations, la triplette béninoise aligne 4 victoires de rang face à la Malaisie, 13-7 en 8e. La République. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. On se revoit aujourd'hui sur l'esplanade des Amazones. Alors aujourd'hui, c'est par rapport au championnat mondial de pétanque qui se tiendra à Cotonou du 8 au 17 septembre 2023. Alors, ils ont métamorphosé l'esplanade des Amazones avec des bâches, des tentes et autres que vous voyez derrière moi. Et ça permettra aux gens qui veulent vendre des articles et autres de prendre place pour pouvoir vendre leurs produits, quoi. Genre, un truc de foire, j'espère, hein. C'est ça, si je ne me trompe pas. Derrière moi, vous êtes en train de voir la statue de l'Amazone. Alors, le championnat où les matchs seront disputés, derrière moi là, c'est toujours sur l'esplanade des Amazones, mais derrière la statue de l'Amazone, à quelques, je dirais, 300 mètres. Donc les travaux sont en cours. Les amateurs de pétanque, n'hésitez pas. Donc l'entrée est libre et gratuite. Voilà, donc c'est ce que j'ai voulu vous montrer. Ils ne donnent pas assez pour qu'on aille vers là où ils sont en train de mettre le genre. Enfin, ils ne donnent pas assez pour qu'on aille vers là où les matchs seront disputés. Parce qu'ils sont toujours en train de travailler là, quoi. Ouais, donc c'est toujours un chantier. Mais j'essaierai de vous montrer de loin, quoi. Voilà. 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 À Cotonou maintenant, les grands rendez-vous, les grands événements se passent sur la place des Amazones. Donc ils ont installé le gradin là où vont se dérouler le jeu, derrière l'esplanade des Amazones. Voilà, c'est tout ce que je veux vous montrer. Et si vous avez aimé la vidéo, partagez, likez et surtout abonnez-vous. Ça vous coûte exactement 0 francs. 0 francs. Voilà, merci bien. Et essayez d'apprécier un tout petit peu l'esplanade des Amazones. Voilà.
marché européen. Un après-midi de lundi aux allures de fin de semaine. Ici à la place de l'Amazone, l'ambiance est digne de moments de fête. Lorsque le groupe sur scène déballe ses mélodies, chacun y répond à sa façon. Vous voyez en train de danser, non? Ils sont en train de travailler derrière là, dans le cadre de l'organisation de la Coupe du Monde de pétanque. Eh bien, chaque soir, on a fait le coup de la musique pour nous agrémenter. Et je crois que c'est une très très bonne chose. Et j'invite toute la population de passer ici chaque soir à partir de 16h pour pouvoir bénéficier vraiment de ce cadeau-là. C'est super bien, c'est super cool. Je souhaiterais que cela soit organisé même, pourquoi pas, deux fois, trois fois l'année ici. Le cocktail musical offert ici va des chansons mythiques du Bénin aux morceaux en vogue sur le continent. Tout ceci au plaisir de tous, même des étrangers. Nous sommes un groupe et le groupe s'appelle Groupe Les Vainqueurs du Togo. Le chant du Bénin nous donne la joie et nous fait trembler. Ça nous donne une prochaine occasion de venir encore et de revenir encore. Bon, c'est la première fois, mais c'est super, c'est magnifique, la statue avec la musique, l'ambiance. C'est très bien. Je trouve que c'est vraiment super cool. Ça fait une bonne ambiance et c'est tranquille. Ouais, c'est vraiment super. Quand ils ne dansent pas, certains restent des admirateurs indétachables de la statue de l'Amazone. D'autres font de ces tentes installées le lieu propice pour la consolidation des liens. Le chef de l'État et son gouvernement ont mis en place cette tente que vous voyez pour offrir de l'ombre, offrir aux familles béninoises et étrangères qui visitent leur pays la possibilité de partager un repas, partager un snack, partager un petit moment. Et normalement, c'est jusqu'à la fin des vacances. Ce qui est important à retenir, c'est que désormais, il en sera ainsi. On les fait pour ces vacances-ci, on les fera encore pour les vacances prochaines. Et cette scène que vous voyez verra passer plusieurs artistes, des artistes en mer, des artistes confirmés. C'est la façon de montrer le nouveau visage du Bénin qui se révèle aux Béninois et qui se révèle au monde entier. Le Bénin se révèle au monde entier depuis Cotonou. Cotonou, le seul endroit au monde où l'on chante et danse avec l'Amazone.